Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kim Yoga. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer juste une petite pratique, un exercice à faire le matin à jeun pour bien aller chercher ici au niveau du ventre, comment faire circuler l'énergie et aussi comment éliminer, stimuler la digestion, etc. Donc on va venir debout, se placer les genoux écartés de la largeur du bassin. Ici, on inspire. Et donc, je vais vous montrer au niveau du ventre, on va aspirer son ventre. C'est-à-dire qu'à l'inspire, on va laisser le ventre se gonfler naturellement. À l'expire, on va aspirer tout le souffle, tout le souffle, tout le souffle. Et comme si on faisait une inspire sans prendre d'air, on va aspirer son ventre et le coller contre, ici, la paroi. On inspire ici, le ventre se relâche, expire tout le souffle. Relâche la contraction avant d'inspirer. On peut le faire trois fois. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait aussi de face parce que vous devez aller chercher loin. Hein. On inspire, on expire. On inspire, vous voyez, je vous montre, le ventre est complètement aspiré, on est en contact avec la paroi des organes, donc ça peut faire des petites pointes, des petites sensations désagréables dans les organes, c'est normal et ça va être très puissant, donc il faut le faire à jeun au réveil. On va le faire une dernière fois et puis on peut ramener le menton dans le cou, on inspire ici, on expire. Remonter doucement. Alors c'est une pratique assez intense, mais il faut aller chercher justement ce contact du ventre contre la paroi des organes. Et ça va, peut-être vous allez avoir des moments où vous allez voir un peu des étoiles et tout ça. Donc prenez le temps, si vous avez besoin de vous allonger, après vous vous allongez. Mais normalement c'est très bon pour stimuler la digestion. Voilà, c'est juste une petite pratique à faire le matin. Pour vous dynamiser, ça fait un petit peu circuler. Et donc vraiment n'hésitez pas, au début il se peut que vous ayez du mal, mais pratiquez, 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 vous allez y arriver. Si cette pratique vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à liker, à vous abonner, à partager. Et si vous voulez faire des cours, suivre des stages, vous allez sur mon site kimyoga.com, vous avez toutes les infos. À bientôt, namasté.